Et bonjour à tous, bienvenue sur T'es un pigeon totalement, tu es un pigeon, je suis un pigeon, nous sommes des pigeons. Étant collectionneur, forcément, je me fais avoir, j'achète tout et n'importe quoi, J'ai beaucoup d'amiibo, hein, oui, totalement, pigeon, à roulou, totalement. Quand Nintendo sort un truc, je vais l'acheter, il y a de fortes chances. Là, ils ont sorti leur cube Lego, je vais l'acheter. Ils ont sorti la NES, là, elle est par là, la NES, avec la télé, je l'ai acheté, je suis un pigeon. Ils ont sorti une carte, merde, elle est là, la carte SanDisk, avec Zelda, Mario et l'étoile. Je suis un pigeon. Je suis un pigeon parce qu'aujourd'hui je me suis acheté ceci. Je vais acheter ceci. Regardez comment elle est belle. Ça me sert à rien parce que j'ai déjà des Switch. Attendez, bougez pas. J'ai déjà cette Switch Lite par exemple que j'ai acheté. Je vous ai fait une vidéo dessus. Allez la voir si vous voulez découvrir ce magnifique pack. Allez, elle est encore dans sa boîte. Hein. Je m'en suis servi peut-être une seule fois, mais elle est toujours là. Là, j'ai déjà une Switch. Je me suis racheté une Switch. Et ce n'est pas terminé, parce que vous allez avoir sûrement le boxing de la prochaine Switch Lite Pokémon... merde, c'est lesquels machin de diamant, machin, parce que moi je... pigeon, parce que pigeon, donc je vais l'acheter forcément. Vous aurez donc l'unboxing. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire rapidement, c'est un unboxing, la console est sortie il y a un an, donc on va pas s'embêter à faire un unboxing de taré. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, mais ça me sert surtout cette vidéo. Me sert surtout à vous parler d'un autre sujet quand il s'agit de pigeons. Là, on va attaquer un sujet pigeon haute volée. Je ne vais faire qu'enfoncer des portes ouvertes. Clairement, tout le monde est au courant, tout le monde sait tout ce que je vais dire, mais ça fait du bien de le dire aussi de temps en temps. Hein. Je vais pas vous mettre sur la table, d'habitude je fais ça avec plusieurs caméras. Je vous ai dit, là c'est une console qui est sortie il y a un an. Je pense que quasiment tout le monde a vu un unboxing là-dessus. J'ai rien pris pour l'ouvrir. C'est con, hein. Cuteux. Je n'arrive pas. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Cuteux. Ouverture de la boîte. Tada! Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, si. La console, ça reste une console. Tout ce qui est plus basique en apparence. Parce que moi, je vois le verso. Vous ne le voyez pas, moi, je vois le verso. Tout ce qui est plus basique, vous allez avoir un reflet dégueulasse. Par contre, au verso, attention, ça a de la gueule. Elle est... Très joli. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein, clairement. Parce que je trouve le verso super joli. Sachant que je l'ai payé 359 € cette connerie. 359 €, bordel. Mais voilà, regardez comment c'est joli. Hein, on est heureux. Vous trouvez pas? Ça vaille pas le coup de claquer 359 € pour avoir ceci. Hein? On n'est pas heureux comme ça. Je suis fatigué, je m'enflamme très vite quand je suis fatigué. Clairement, le verso est super stylé. Hein. Faut dire ce qui est. Les Joy-Con. Franchement, quand ils ont appelé ça Joy-Con, ils devaient savoir qu'on était débiles, qu'on achèterait tout n'importe comment. Ça faisait partie du truc, hein, Joy-Con. Non, mais... Hop, Joy-Con numéro 1. Très stylé, regardez ça. Forcément, j'étais obligé de me la procurer. Ben ouais, j'étais obligé. Hein. Oh, elle est super jolie. Joy-Con numéro 2. Je trouve ça super bien parce qu'en fait, elle est vraiment complète. Il y a le recto, il y a le verso, elle est vraiment complète. Ils en ont sorti d'autres, genre la Fortnite, je suis désolé, mais avoir un petit camion ici, foutage de gueule. Quelques petits trucs derrière, foutage de gueule. J'ai eu un bug sur ma caméra. On va clipser le tout. Ça ne veut pas clipser. C'est neuf, ça a du mal à se clipser. Ben alors, j'ai peur de la casser, est-ce que ça ne veut pas s'enfoncer? Ah. J'avais oublié que quand c'était neuf, c'était aussi dur à les mettre. Ah, deux. Oh, franchement, je le vois dans le retour, elle est vraiment stylée. Hein. Faut dire ce qui est, elle est très belle. On en trouve encore beaucoup, elle est vraiment pas compliquée à trouver. Là, je l'ai prise à Leclerc, il y en avait au moins une dizaine. Donc, elle est vraiment très simple à trouver. Donc, si vous voulez vous la procurer, foncez, elle est vraiment très jolie. Ça, c'est le code. Avec le jeu, vous avez le jeu, plus des DLC offerts, ce qui est pas mal du tout. Hein. Clairement, pour le prix... Vous avez la console, le jeu complet, plus les DLC. Moi, je trouve ça le plus quand même. Hein. On va pas se plaindre. Hein. On la jette surtout pas parce qu'elle est stylée. Regardez dans toutes les autres. La Pokémon, par exemple. La Pokémon. Il n'y avait pas Pokémon avec. Je l'ai eu au même prix que la Lite normale. Donc, je vais pas me plaindre. Elle est au même prix. Elle est plus jolie. Je le prends. La prochaine Pokémon bouclier. Merde, c'est pas bon. La prochaine Pokémon diamant.
pareil, il n'y a pas le jeu avec, mais elle est au même prix que la console de base, donc on va pas se plaindre non plus. Bon, ça, vous montre rapidos. Voilà, hein, y a rien d'extraordinaire. On passe. Les dragons, on passe. Les câbles, vous connaissez. Par contre, ça, vous ne connaissez pas. Ou vous connaissez si vous êtes allé voir ailleurs, mais vous auriez fait de l'infidélité. Et une fois de plus, c'est ultra classe. Oh, le retour, il est super beau. Oh, je regrette pas mon argent. Je ne regrette pas mon argent. Tout ça pour la mettre sur une étagère, mais je ne regrette pas. Qu'il y a vraiment plein de petits détails. Ah, elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment très 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 belle. Je vais pas trop la mettre dedans parce qu'en fait, ça raye l'arrière et j'ai pas envie de le rayer. Mais regardez, avec la console comme ça là, posée. Ah non, réellement, ça le fait. Ça le fait, ça le fait totalement. C'est pour moi, clairement, une des plus belles collector Nintendo qu'ils aient faites. Hein. Parce qu'elle est complète. Celle que je regrette de ne pas avoir pu me procurer, c'était la Dragon Quest. J'ai voulu me la prendre au Japon et j'ai pas eu le temps. Donc, eh ben, je l'ai dans le baba. Parce que ce n'est pas tout. Il y en a une autre qui est en chemin. Aujourd'hui, j'ai claqué 600 et quelques euros. Hein. Heureusement que j'ai une chérie qui comprend ma passion. Parce que sinon, mais je serais mort. Je serais célibataire. Je vivrais avec mes consoles comme ça. Je dormirais dessus. Parce que j'ai aussi commandé l'autre. Je sais pas, non, je pense pas que je vous ferai l'unboxing de l'autre parce que pareil, elle est ultra connue. Mais j'ai aussi commandé la version Mario, 35 ans de Mario. Ouais. Je commence à avoir quelques Switch quand même à la maison, ça m'en fera 5 avec la Pokémon à venir. Ça commence à faire, hein, sachant que j'en utilise que une. Est-ce que ça vaut le coup? Question de point de vue au niveau collectionneur. Voilà, je ne juge pas, je ne juge pas. Avant d'attaquer le prochain sujet qui me sert réellement dans cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la cloche et sur l'abonnement. C'est excellent, c'est un super remerciement, donc j'attends que vous le fassiez. Et en plus, c'est gratuit. C'est un des rares trucs, l'abonnement, qui est gratuit et qui fait plaisir à l'autre. Tout ce que vous avez, voilà. C'est juste un clic et vous me faites plaisir. Ok, parlons de la suite. Un sujet un peu plus fâcheux. J'en avais parlé, j'avais mis un commentaire sur la chaîne de EMB. Si vous connaissez pas EMB... allez voir, c'est génial ce qu'il fait. C'est vraiment génial. On devient très vite addict à ce qu'il fait. Prochainement, il y a Deathloop qui va sortir. Clairement, un jeu qui m'intéressait. Hein. Mais depuis la sortie de la PS5, même de la Xbox Series X, je n'ai pas sauté dessus. Parce que j'en voyais pas vraiment l'intérêt sur l'instant dès la sortie. Les gens couraient après, etc. Tant mieux. Hein, si ceux qui ont réussi à se la procurer, félicitations. Déjà, premièrement, félicitations. Mais un autre sujet qui m'énerve, qu'est-ce qui s'est passé avec le gaming récemment? Il y avait déjà eu cette augmentation des prix, cette spéculation des prix. Je vous ai dit, c'est porte j'enfonce des portes ouvertes, mais il y avait déjà eu cette spéculation. Je veux bien, ça fait partie du jeu, même si je trouve que ça s'est beaucoup trop augmenté. Il faut quand même ouvrir les yeux au bout d'un moment. J'ai commencé le rétro gaming très très jeune, j'ai commencé à faire mes collections très jeune. À l'époque, j'avais pas les moyens non plus, donc j'économisais après mes anniversaires, tout ça. Mais maintenant, mais c'est la folie. Déjà, le rétro gaming en lui-même, c'est devenu la folie. Les gens pensent qu'ils ont de l'or, même quand ça vaut rien. Sachant que j'ai travaillé chez Micromania des années. Donc il y a certains jeux que j'ai mis en rayon. Je les ai vus à 3€, genre Castlevania sur DS. Je l'ai vu, moi, mettre à 2 ou 3€ en rayon. Et que maintenant, tu le cherches, il coûte 50, 60, 70, 90€. Les mecs, c'est un jeu DS, vous enflammez pas, c'est... voilà, c'est juste comme ça. Mais là, on commence à spéculer sur des choses qui ne sont même pas collector. C'est juste des choses qui sont en production. C'est juste parce qu'il y a une pénurie et ça s'enflamme, ça s'enflamme. Et je vais revenir donc sur les PS5 et les Xbox Series X. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais regarder un petit peu, voir les stocks de PS5 et tout. J'ai vu des mecs qui vendaient ça 1000, 1200, 1300. J'ai vu des consoles monter jusqu'à 2000 balles. 2000€, putain de merde. Mais à quel moment c'est devenu légal de faire un truc pareil? C'est... tu spécules sur des choses qui sont en cours de production ou des choses qui ne sont même pas sorties. Voilà, il y a des mecs qui achètent des collecteurs qui ne sont pas sortis. Mais on va y revenir, c'est un autre sujet, on va y revenir, vous inquiétez pas, on va y revenir, ça, on va y revenir, oh oui, y a pas de doute, on va y revenir. Voilà, les PS5 et l'Xbox, mais n'achetez pas ça, c'est juste le message, n'achetez pas ça. Je vois des consoles, même des Play à 750, 800€, PS5,
Mais n'achetez pas ça. Arrêtez. D'où la vidéo s'appellera T'es un pigeon. Parce que si tu achètes ça à ce prix-là, oui, t'es un pigeon. Et j'en veux pas, même pas forcément aux vendeurs, parce que c'est des connards. Voilà, je suis désolé. T'achètes une console à 500 balles que tu vas remettre à 1000 ou 1200 balles, t'es un enculé. Désolé, mais faut dire ce qui est. Hein, c'est, y a un moment, tu fais de l'argent sur le dos de pauvres personnes qui sont pas capables d'attendre. Mais la faute principale, c'est 30% de la faute des vendeurs, et la faute principale revient aux acheteurs. Parce que si il y a des mecs qui les mettent à ce prix-là, c'est qu'il y a eu des acheteurs à un moment. Ils ont tenté. Et que si il y en a qui l'ont fait et que ça c'est parti, c'est qu'il y a eu un acheteur. Il y a un moment, il y a un mec qui s'est dit, je suis pas capable d'attendre, je vais mettre, allez, je les mets les 1000 balles, je les mets. Mais non. Tu peux pas admettre de te laisser enfiler à ce point. C'est là, limite, voilà, le mec il te nique et en plus derrière tu lui dis merci. Non. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. J'accepte. Je tolère. Le mec, voilà, tu l'avais à tout prix. Tu peux monter jusqu'à 600 euros, ça fait mal. Ok, mais je peux te... Voilà, je tolérerais, je dirais, bon, ok, t'es pas capable d'attendre. C'est 100 euros plus cher. Allez, j'accepte. Mais arrête, quand t'arrives à 700, 750, 800, 1000 balles, et c'est monté bien plus haut, j'ai vu des consoles bien plus haut, j'ai vu des enchères sur eBay qui montaient à 1500 euros, voire plus. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus que ça? Ne faites pas ça. Soyez pigeons, mais des pigeons intelligents. Hein, hein, pas le pigeon parisien que tu vois boiter sur une patte comme ça là. Non, soit le pigeon intelligent, celui qui marche, qui est digne. Quoi. Je suis un pigeon, je le reconnais. Je le reconnais, mais je suis un pigeon intelligent qui sait dire stop quand il faut. Là, c'est... regardez, je fais une collection Amiibo. J'en ai plus d'une centaine. Il y a un moment, quand je vois qu'il manque un Amiibo, Monster Hunter, quand je vois qu'il est à 500, 700 euros pour un Amiibo qui coûtait 15 balles à la base... Bah non, je vais pas mettre 700 balles dans un truc qui coûtait 15 balles à l'origine. Pareil, le Mario Gold, 500 balles. Non mais arrêtez les conneries quoi, ça reste un bout de plastoc. Dans tous les cas, de toute façon, la PS5 et les Xbox Series, surtout la série X, sont pour moi sorties 2 ans trop tôt. Vraiment, ça aurait dû sortir 2022. Mais là, elles sont sorties beaucoup trop tôt. Ils les ont sorties en plus pendant pleine crise. C'était tout sauf le bon moment. La preuve, les jeux qui sont dessus actuellement, est-ce que ça vaut le coup de s'arracher un bras, de vendre son rein, de vendre son foie, vendre ses enfants et sa maison pour l'acheter? Non, ça vaut pas le coup quoi. Là, j'avais regardé moi parce qu'il y avait un jeu qui m'intéressait et c'est bien le premier. Mais tant pis, je l'ai pas. J'attendrai qu'il y en ait en magasin. Mais là, on spécule sur des trucs qui sont en cours de construction. Donc ça va arriver. Pas la peine de courir après. Vous inquiétez pas, vous arriverez à vous en passer. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Les jeux, vous les achèterez sur une console, c'est pas grave. Arrêtez de vendre votre famille. Sujet numéro 3, on revient justement à ce que je disais. La spéculation sur des trucs pas sortis. Et là, je pointe du doigt Microsoft parce que clairement, c'est de leur faute. Là, on est clairement sur la faute de Microsoft. Clairement. La Xbox Collector Halo. Vous sortez une collector pour remercier vos fans parce que ça fait, si je me trompe pas, les 20 ans d'Halo. Gros doigt, j'ai envie de dire ça, gros doigt à tous les fans. Quand vous sortez une collector série X, mais vous n'êtes pas capable de prendre plus qu'un certain nombre de collectors, gros doigt à tous les fans. Vous sortez une collector comme ça, prenez, ouvrez les réservations, tant pis s'il faut pendant un mois, vous prenez tout. Si ça doit être livré pendant un an, ça sera livré pendant un an. Mais ne me limitez pas à 500 consoles, 1000 consoles, 2000 consoles, j'en ai rien à foutre. Ne limitez pas, c'est une collector Halo en remerciement pour les fans. Alors n'enculez pas vos fans, désolé, c'est vulgaire, mais n'enculez pas vos fans. Là, moi je suis allé voir, ils ont annoncé, 5 minutes après, j'ai voulu prendre la collector, c'était fini. C'est fini. Par contre, le lendemain matin, sur eBay, la collector que tu pouvais payer 550 ou 600 euros, je sais plus combien elle était, tu l'as retrouvée à 2500 euros sur eBay. Et ça, c'est la faute de Microsoft. Ils n'auraient pas bloqué les précommandes pendant un temps.
Après, au-delà de du temps de précommande, ok, je veux bien, bah c'est trop tard, ça a été ouvert pendant un mois, t'avais un mois pour te décider. Je sais que c'est court, mais on sait que la crise actuellement fait que tu peux pas ouvrir les commandes pendant des années. Je comprends. Mais d'avoir ouvert pendant moins de 5 minutes, tout était vendu, non, non, c'est pas possible. C'est une collector à l'eau, pour les fans. N'encule pas tes fans, c'est tout. Gros doigt à Halo actuellement, je suis désolé, boycott Halo, allez vous faire foutre Microsoft là-dessus quoi. Microsoft aurait fait ça d'ouvrir pendant un temps, ça aurait laissé le temps aux gens de la précommander. Ça n'aurait pas permis aux scalpers de merde là d'aller vous faire foutre, de la mettre en vente dès le lendemain alors qu'ils ne l'ont pas reçue. Ils l'ont commandée dès que ça a été annoncé pour la vendre alors qu'elle n'est pas sortie. C'est là le pire, c'est que ça n'est pas sorti et qu'elle est déjà vendue 1 500 € de plus que son prix d'origine. Microsoft aurait fait ça, ils auraient été niqués. Ou même mieux, Microsoft aurait dû bloquer comme ils l'ont fait et quelques jours plus tard, réouvrir les précommandes. Oh, ça aurait fait un méga doigt parce que eux, ils se seraient retrouvés avec leur console sur les bras, ils auraient été niqués, les gens auraient eu leurs précommandes. Même si ça aurait pris plusieurs mois, c'est pas grave. Mais ça aurait niqué ce système de vente, de marché de l'ombre, ce marché secondaire qui s'est mis en place depuis, surtout l'apparition, je suis désolé, de la PS5 et de la Xbox Series X, parce que ça a ouvert un marché secondaire, un marché de l'ombre, un marché de bâtards, grâce à ça. Et je trouve que Sony et Microsoft ne font rien, mais vraiment rien pour empêcher ça. Ça fait une grosse pub. Eux, ça leur fait regarder, ma console se vend super cher. Oh, c'est la meilleure du monde. Non, tu permets juste aux gens de se faire niquer au lieu de dire, bah non, je vais les protéger parce que c'est mes fans. Donc, cette Xbox Halo, je trouve que c'est un putain de gros doigt. C'est vulgaire, hein, je sais. Mais à tous les fans qui soutiennent Microsoft et qui soutiennent Halo et la Xbox. Ouais, c'est mon coup de gueule par rapport à ça. Je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux que Microsoft n'aient pas ouvert plus de précommandes et laissé un stock minimum parce qu'ils auraient sûrement dit oui mais on peut pas les sortir parce qu'après on n'a pas le matos et tout. Oh ferme-la, c'est bon, les gens sont capables d'attendre, ça évitera qu'ils la payent 1 500 au lieu de la payer 600, c'est tout, il y a un moment, respecte tes fans, c'est tout. Voilà, sur cette vidéo coup de gueule, j'avais envie de le dire et j'avais envie de parler de cette pigeonnade qui est la PS5 et la Xbox Series X, surtout la PS5 parce que la Series X on en trouve beaucoup moins. C'est surtout la PS5. Donc le mot, c'est n'achetez pas. N'achetez pas à 1500, 800, même 800. N'achetez pas 800 balles une console qui aurait dû sortir 2 ans plus tard. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sinon, hormis ça, pour finir sur une bonne note. Oh, mais je suis trop content. Elle est trop belle, j'ai peut-être claqué de l'argent. Je suis un pigeon, je le reconnais. Mais je suis un pigeon parisien, intelligent. Voilà, je suis un... Le pigeon qui se prend pour un aigle. Le pigeon de Pocahontas, c'est là les créatures de la nature. Moi, le même regard, c'est tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, c'était un peu un coup de gueule, mais il le fallait. Il le fallait, ça fait du bien quand ça sort de temps en temps. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, sûrement Metroid Dread. Plein de rétro gaming parce que j'adore ça. Des vidéos en commun avec ma chérie. Regardez prochainement, vous allez voir son visage. Elle apparaît enfin dans les vidéos. L'unboxing de la Switch Lite Pokémon Pigeon. Encore une fois, n'oubliez pas, l'abonnement, c'est gratuit et c'est le meilleur remerciement. La cloche, et puis je vous dis à la prochaine. Salut, des bisous.